Si vous voulez utiliser une couverture de survie pour protéger votre tente du froid et de l'humidité, il ne faut pas la mettre à l'intérieur de la tente, il faut la mettre sous la tente. Petit rappel quand même, ces couvertures de survie, vous avez deux côtés, un côté argent, un côté or. Vous me direz, de quel côté il faut la poser, hein? Vous le savez, vous? La chaleur va toujours passer du côté or vers le côté argent. C'est-à-dire que si vous voulez vous protéger du froid, vous allez mettre le côté or à l'extérieur. Comme ça. Et là, vous allez être protégé du froid. Pour se protéger du chaud, c'est l'inverse. Hop. Et voilà, la cosmonaute. Donc, si on en revient à protéger la tente du froid et de l'humidité, vous allez commencer par poser votre couverture au sol. Et votre tente dessus. Voilà, donc le but c'est de placer la couverture de survie sous la tente, sous votre couchage, et non pas à l'intérieur, puisque si vous placez votre couverture de survie à l'intérieur, bon courage pour dormir, ça fait du bruit, ça froisse, etc. C'est horrible, et en plus ça bouge à l'intérieur de la tente. Alors que quand vous le mettez donc sous la tente, ensuite vous montez la tente directement par dessus, là la couverture va rester en place, elle va pas s'envoler puisque votre tente sera donc posée par dessus, et vous aurez une bonne protection de l'humidité et du froid qui vient par dessous la tente évidemment.